M'emmerde. On m'a laissé tout seul ici, je dois courir. Elle a pris ma voiture. Putain! Elle arrive à la poste. Il y a une place comme pour un camion ici. Mais il fallait qu'elle se mette là. Et elle gêne le monsieur. T'es qui en fait toi? Je me prends pour moi, voilà. Mais t'es un strong. Mais toi t'es pas un strong toi? Toi t'es le roi des strongs carrément. Toi t'es le king du strong. Ça pue hein. Elle peut pas ouvrir la fenêtre du coup parce qu'on est dans le... Ah vas-y, t'as vraiment les fesses pourries. J'en peux pas rire, non, vraiment. C'est un enfer. La meuf, elle regarde ça. C'est moche. C'est un sketch, il ne s'en sort pas. C'est un truc. Il ne s'en sort pas. Il cherche la couette depuis 2 heures. Il plotte toutes les couettes. Alors, on dirait qu'il travaille la nuit. Regardez là, voilà, voilà, il est parti chercher, voilà, il se cache depuis tout à l'heure parce qu'il veut pas que je le filme, mais voilà ce que fait. Oui, s'il vous plaît, moi je suis en train d'attendre. Voilà. Vas-y, elle est au but. On était parti chez Ikea, disons, pour jeter un œil. On était parti pour jeter un œil. Je pense que dans un coupé, on peut mettre tout ça. Oui. Kiss me now. Voilà, il croyait pas qu'on pouvait tout rentrer. Et ben on a tout rentré. Par contre, c'est pas grâce à lui, hein, vraiment. Ça, t'as déjà vu ça? Mais si, il y a la même chose en France. Ils pensent qu'on n'a rien en France. S'il vous plaît, à tous les Français, hein, qu'on a tout quand même. Oh, mais hé, t'arrêtes un peu. Et voilà. Nous, on est là. Grâce à la privativité de jus de fruits et d'une touche de plantes. Détendez-vous. Un seul. Parfait. C'est chier. Film de merde. Enfer. C'est qui a choisi le film? C'est lui. Puis-je même vous convaincre? Ils sont plus là. Ils m'ont laissé. Hey, qui est là? Putain! Je suis perdu! Toujours dans les aéroports, je vous raconte un petit peu. On pourrait croire que je viens d'atterrir. En fait, non. Je vous explique. Quand on est revenu de Tunisie avec Laura, on nous a paumé une valise. Donc, il y avait une seule personne qui avait sa valise perdue. C'était moi. Oui, moi. Mais comme il m'était arrivé une mauvaise surprise l'autre fois qu'un petit tocard avait volé ma valise, je me suis dit, je vais pas le dire sur les réseaux. Guélic, on va la faire en privé. En fait, c'était un mec qui s'était trompé de valise. On n'y croyait plus. Avec Laura, on était désabusés. Et il y en avait des choses dans cette valise. Oh oui, il y en avait. Donc, on n'y croyait plus. Et là, j'ai reçu un appel. Bim, boum. J'ai été forcer les barrages. Je suis allé.
comme un bonhomme dans le Lost and Found. Et je l'ai retrouvé. Yes! Ken!